nzala. Eh, to kende wapi? Baya obongisela biso nzela oyo, batatera seleksa kama iba tonga nzela. Biso peto pema. To lembi ba kamera na ba kamera na ba televizo to zoloba. Eloko moko ezate. To sali nini? Basali to hospitala munene koto. Hospitala munene angola bo sali kuna to bando kende na makolo. Mutu so asaka ngama kito mwana kangam fona bima na balabala. Na cheme manga na hospitala na ngeza kuna na ngolo mingo. Baswani hospitala na biso ya leta sali biso bien. Bongo nzela bomi ya bongusili biso hospitala nzela kufi. To kende hospitala ngon denge nini? Ndangi bakota kate to zaba to ndangi. Tendangi bakenda kana babo. Biso to zaba ta makolo. Zula biso solution. Ok. Donc, on va regarder, bilan, c'est matière comme cher. Combien de transports? Des transports. Donc, ils ont 500 francs, mais comme il a 300. Aller-retour, 1200. Donc, 500 francs, ils ont 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 500 francs, double transport, double transport. Bon, moto, ils ont combien? Moto, ils ont 500 francs, 1000 francs. Bon, si tu as 500 francs, tu as 500 francs. Par contre, ah, bah, c'est l'hôpital de référence à l'État. Et ça, c'est ce que je veux dire. Mais, je veux dire, je veux dire, ponu alekela a amona nzela ndenge zali so bakantsaka biso a na ngalema na sanga mamba da veri so bakantsaka ba mama ba komona so bakantsaka pete atwa to monso so eloko to kosala eza deposito lembi so to teka ba mapa ngwa to teka ba mapa ngwa nana kosomba mutu so ka moni boy akolekela wapi do ba nso manoki makarte kate yokufa don na suki wana mwa so eloko ya kolobate kalu pardon papa komo no komo ngi komino to sali ezali komina ngalema Ngaliema précisément où nous allons aller vers ici. Mais Ngaliema est bien dans ma commune présidentielle. Tout le pays union sur la commune Ngaliema, même dans l'organisation, même il y a 11. Ce qui est OK, il y a moyen pour que nous avons un Ngaliema. Il y a une difficulté à soutenir parce que Ngaliema est une commune présidentielle. Mais en cas de commune, il y a un désordre sérieux. Si on a une commune, on a une ville qui est en train de s'érosion. Surtout, si on a une ville qui est en train de s'érosion, on a un quartier Bumba, il y a à peu près 6000 habitants. Dans le quartier Sangamamba, mais toujours souffrance. Maïwana, tu as déjà 5 ans. Donc, il y a un peu de souffrir. Oh, si le collègue, tu es comme tout, comme toi, mais oh, et ça les gars, ceux qui démoignent pas en bas, et quatre années on les sous. Bon, négé quatre années, mais d'autres zones ils sous sont en passe. Tandis que bah fait tes zones, tu évites. Si quand on te consacre, négé ni ni. Bah na bas, si bah zo renio comme bah mais oh, y a ma boulot, na taraka. Y a mon tout singi, tous zo collègues la tangue on les sous parce que mais ni ni et ceux qui ao. Bongo, et quatre années ao. Ce que population nio so y a ma casse, ezafuna plus de 6000 habitants. Bisous ne bateau votak. Tant que vous votez, quand vous avez un quartier négligé, il y a un salaire qui est so to zui Kanluka, so to zui Malouek, to zui Sangamamba, to zui donc des environs qui sont délivrés dans Sekuna, to zui salaire qui est basara dans Ngaliema. Mais or que biso to salaire qui est basara, ne bango basara, parce que loin n'est pas biso na musika. Alors en tout cas, basara est nécessaire pour vivre que baya ko
kosunga libulu po biso soki tozwi mesure ndenge na biso ke tosala ta contribution na biso to bana kosala c'est que mabe kosala kaka na ba notable na biso koto oyo envers bango or que za kito kote le yango tosala ke nango vraiment po basala tu basunga biso e kosala kito ko ndenge ndeko asili ko loba hopital za hopital wana soki lelo oyo mutu aza na ka malade mutu akufi nzela nini ako bimela po ba ba intervenir osoma te ke eza kito kote. Ok, merci. Verkisawa, tozana souffrance makasi. Tozana maite, soki mbule beti te biso tokomela maite. Tozana posa, en tout cas batali la biso likambo. Kote boye bakipaka biso te toyebite tozalaka na capitale to tozalaka na mboka. Tozomela ka maya mbule botaka banyama siko biso tokosuka ndeni batio yango ekatani toza susu na maite mbongo ya kosomba ka mai pe ezate leta akota likamboyo atala yango bien akita na verkisi awa toza pe batuti toza batu ifo basalila ka biso pe posa na biso pe bakokisaka ngo biso tomona ka te loko te kotoyo bayaka ka kokosa kosa biso na babilamba na basani siko toboyi basani tolingi mpenza kotoyo bayebake bato bazali tala nani tozomona pasi makasi mai eza te tala matango oyo bazotangisa wana na mulongolisi combien de personne bakotoka mai wana banda ata kutu mboka ezalaka boye te na mboka baza mpenza na mai ya bien bazomela metala biso mulongolisi batiaki wana banda tongo mwana aza likolo ya moi toza na posa ya mai toza na posa ya mai bakita mpe koto botala kaka ngasani te nzili te koto mpe bato bazali bongo hopitali botie koto bo banda oye bato bakokota na hopitali wana bakozala na posa ya mai te hopitali bato bakomela mai te hopitali bato bakosokola mai te mai eza te botie hopitali koto mai eza te na suki wana leta kota likambo oyo atala yango comme vous voyez vous-même, la tête que vous voyez ici vient d'en bas. Hein? On appelle un peu plus loin là-bas Maya Zebu. La tête remonte, ça va remonter jusqu'à au petit triangle que vous avez vu à l'entrée là-bas. Donc ce petit triangle-là va amener vers l'avenue Bumba, parce que ça c'est l'avenue Kinshasa. Ça va prendre Bumba, ça va prendre Kinshasa et puis ça va prendre Mbama. Donc ça va créer trois têtes quand ça va arriver là-bas. Heureusement que jadis, on a pu quand même arrêter ça, reculer ça jusqu'à permettre au moins que les véhicules passent. Enfin, cet ouvrage, pour moi, je pensais que ça devait être entretenu pour qu'il tienne au moins longtemps. Parce que cet ouvrage n'a fait que maximum une année. Et voilà. Malheureusement aussi, les eaux de la régie des eaux ont contribué aussi. Parce qu'on a des fuites partout. L'eau stagne ici. Et on ne voit jamais les services de la régie des eaux venir, par exemple, colmater ces petits trous. Alors on a comme l'inondation ici. Même avant l'arrivée des pluies, on avait déjà l'inondation ici. Alors les eaux déjà affaiblissaient déjà cet ouvrage. Alors la pluie est arrivée. Vous connaissez vous-même Madame la pluie. Et là aussi, c'est caprice. Hein? Voilà, tout a pété, comme vous voyez. L'érosion remonte. Malheureusement, tout a été coupé. Comme vous voyez, on n'a plus de route. Donc le quartier est carrément scindé en deux. Le transport aussi. Donc tout devient difficile. Il n'y a pas d'eau. L'électricité, vous voyez vous-même, quand il pleut, c'est dangereux parce que quelqu'un peut se faire électrocuter facilement. Et on a vu des gens venir. Hein. Notamment, on a envoyé, je ne sais pas, on a vu certains venir ici au nom du Premier ministre, Matata Mponyo. Ils sont venus ici, ils ont pris des photos comme vous le faites, des films. Bon, ils ont dit qu'ils allaient donner rapport, et qu'ils allaient venir pour intervenir, au moins pour arrêter
cette érosion, au moins pour arrêter, parce qu'il y a, il paraît, un projet pour l'avenir Kinshasa. Hein? Il y a un projet qu'on devait vraiment réhabiliter cette route. On attend toujours, ça fait des années. Mais notre souci, c'est que nous, ici, les riverains d'ici, nous nous inquiétons parce que ça inquiète beaucoup. On a vu, par exemple, à Ilpen, là-bas, tout autour de notre église, qu'on aime beaucoup, la borne. On a aménagé là-bas. Hein? Nous, ici, ils ne sont pas loin. Hein? C'est à peu près 1 km, enfin, je ne sais pas. Hein? C'est pas loin. Donc, en voiture, ici, on peut faire 2 minutes si tout est OK ici. C'est 1 minute en voiture. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que hein, ma tata, notre premier ministre bien-aimé, hein, bien-aimé, pourquoi est-ce que ici, ce sont des vies. Donc, hein, vous voyez vous-même le trou. Il y a même les gens, nos parents, qui ont déjà atteint l'âge de la. Enfin, qui ont déjà atteint le troisième âge, ils sont obligés d'entrer dans le trou. Hmm? À leur âge, ils sont obligés d'entrer dans le trou. Parce que tout le monde maintenant a peur de laisser les gens passer parce qu'il y a des parcelles non clôturées. Les gens peuvent profiter, passer par là. Les gens aussi ont peur pour la sécurité, leur sécurité. Et puis, vous savez, les eaux suivent toujours hein, sur ce sentier. Hein. Quand ça se crée, l'eau et les érosions ici, donc il faut quand même qu'ils interviennent. Parce que dire toujours que Konziamboko, moi je trouve que ça devient un peu comme, je sais pas moi, un slogan, je sais pas moi c'est quoi, ça devient enfin, un refrain qui se répète. Ça mais va au moins, hein, qui bouge au moins. Parce que je sais pas, c'est la fin de l'année, mais qui bouge, je sais pas, hein. C'est ça, qui bouge parce que nous, on va bouger. Ça va, merci beaucoup. Merci. Merci. Afrika TV. Parce que Batio, Yazaki a régi des eaux. Et les cas qui pembeni y a érosion. Tant que l'érosion est avancée, tu es katani. Moi, le régi des eaux lancé maï et zate. Alors, ton côté n'a difficulté. Ce qui est pompe, c'est les églises des saints de dernier jour. Je suis en pompe. Je suis en cas de et puis, tu as une soeur. Ma soeur, je suis en train de faire. Donc, c'est insuffisant. Tu as une bande de tongo. Tu as 4 heures pour avoir une place. Alors, tu as une somme de paiement. Par bidon 100 francs. La somme est à 20 bidons. Si tu as 20 bidons, tu as 20 bidons sur la foite. Tu as 5 et tu as 5 et tu as 5 pour. Et ça, moteur, ça peut arriver à 4 années. Tu as la descente que tu as, tu as quand même quelques bidons pour avoir besoin d'aller au quotidien. Par bidon combien? Par bidon 100 francs. Est-ce que vraiment. Problème est à Penza Maïté. Problème est à Nzela. Chinois, bas au raccourci, ça sa érosion battue à maïté. Bas qu'on se bat au bon, c'est la bise au pont de l'agneau sur les amis balais et au bébé. Tout ça n'a venu Kinshasa, n'a venu révolution. Ce qui va bon, c'est à temps et là, mon corps comme ça. Bas chinois, bas gréman n'est pas tissé à tuyau. Tant que les élèves à ma bé, moi et bas traverser battue et comme à côté à maï et ça passe. Et on a bas causé vraiment et ça urgence. Côté tous en a pas si tous en a bas hôpitaux. Imagine toi bas hôpitaux bazar et ça n'a maïté. En tout cas, c'est pénible. T'as là-bas, maman, oui. Depuis 3 heures du matin, il y a eu la place. Si on a retourné, ça ne va pas. En tout cas, il y a une urgence. Ce n'est pas négligé. Ça l'effort vraiment. Attaque à Sanza, il y a eu un peu de temps. Il y a eu quand même quelque chose. Merci.
Je suis un bon homme.